Ah, t'as quoi comme setup un petit peu là? Comme setup, je suis en 22-20. 22-20. Et suspension, je suis en 1-1-1-1-11-6. Ouais, on n'a pas du tout la même. Non, toi t'es en 3-4-3, un truc comme ça, non? Même pas. Attends. Même pas? Je suis en 10-1-10. Ah oui. 10-1-10. Et en aéro, je suis en 18-16. Oui. Les pneus, ça c'est bon. Soft. Soft, Oh, soft, ça passe. soft. Tac, c'est bon. Pourquoi? Wesh, ils sortent tellement. Wesh, ils sortent vite, hein. Ils ont pas compté. Hey, wesh, ils perdent pas tant. Moi, ce que je pourrais te faire, c'est de passer le la spie, si tu veux, dans Non, la t'inquiète, non-voix. t'inquiète. J'avoue que je suis pas très fan de l'aspi et tout. Ok, c'est comme tu veux. Non, t'inquiète, merci quand même pour la proposition. Je vais essayer de me démerder comme je peux. Mais moi, il veut pas sortir de stand, moi. Ah merde, ouais, Ah. parce que je sors en même temps, c'est pour ça. Ah, ok. Hop, 60, 60 différentiels, on va faire ça. T'as quoi de base comme aide? T'as tout sauf la. Enfin, t'as. Non, t'as rien Tout sauf sauf la trage. l'attrage. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais, j'ai rien sauf l'attrage. Ok. Ouais, bah écoute, t'es au feeling, les qualifs, je sais pas, ça a beaucoup de train, bah au pire, ça fait un petit peu ton point de repart, hein. Voilà. La qualif, et Yes. puis. De toute façon, à l'aise, après tu remplaces, donc t'es pas. Ah, tranquille. Bon, j'avoue que j'aimerais bien que Dark vienne quand même. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs. Je sais pas s'il est là ce soir. Attends, tac. C'est qui? Dis-moi qui est là. Dis-moi qui est là. On a pas envie de message. Tu vois la sortie d'ici, je suis trop lent à chaque fois. Ouais, moi bah après t'inquiète, hein, c'est au feeling. Hein. Parce que toi, t'es volant toi. Ah Hein. Ouais, pour toi en vrai ça va, la manette c'est plus compliqué en général, mais. moi, je vais essayer d'être plus proche de toi, comme ça j'ai plus ou moins un petit repère. Ouais. Ici, à la zone là, tu freines où, toi? Un tout petit peu avant pendant 100 mètres. Ok, Vraiment un tout petit peu. merci. Allez go, moi c'est vraiment dernier virage que je galère un peu mais. Bonne chance. Merci à toi aussi. Pas en tour. Non, non. Ok.
Ouais, ça va, je me suis. Vraiment, ces derniers virages, je perds un peu de temps. Sinon, ouais, ça va. Je fais un plutôt bon tour. Prends Didax, putain, wesh, il m'a envoyé dans ce tour. Attends, vas-y, passe. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Merci. Je vais laisser à 60, c'est bon. Le problème de Chine, ça va être la dégradation par contre. Hein. Ça va être très chiant. On consomme beaucoup en général. De toute façon, je ralentis un peu pour charger le RS. Mais. Ah, tu rattaques sur un deuxième tour? Ah ouais, j'ai mis blindé d'essence. Putain. Ok, bah merde. Jusqu'ici, notre meilleur tour de 1 minute 33,3. Mais. Ah, mais non, mais je suis con, putain. Dis-toi, j'ai quasi fait le même chrono que j'ai fait avec l'attrage. Putain. Ah, let's go. Hein. Maintenant, en vrai, en course, ce qu'il faut, c'est peut-être être plus régulier, genre être régulier, je pense. Parce que sans l'attrage, des fois, tu fais des erreurs de freinage et tout, ça peut te coûter beaucoup de secondes. C'est ça. Même là, je le vois, gros. Mais ce circuit, j'ai toujours eu du mal déjà de base, j'ai très peu roulé. Ouais. Putain, je perds tout dans le secteur 3. Attends, tu déconnes. Parce que secteur 2, en vrai, ouais, si je suis un peu loin. On occupe la 16ème place au speed trap. Ah, Didax P1. Ah, Didax, c'est surprenant qu'il soit P1. Bon, il n'y a pas encore Bruno Giggs, mais quand même, Didax qui soit devant Killer Storm et tout. Ah, c'est chaud, Didax. Enfin, je sais qu'il est rapide, hein, mais putain, être autant rapide. Hein, 24 à 38, hein, je suis plus rapide que Giggs dans le premier secteur déjà. Et en plus, j'ai encore là combien pour faire 5 tours d'essence. Wesh! Actuellement là? Ouais, ouais, j'ai encore pour faire 5 tours d'essence. Et j'ai réussi à faire une 35-8. T'es un baiser. Je comprends pas. Bah, c'était pour prendre surtout des points de repère. Ah ouais, ok. 28, 500. Attends, 28, 100. Putain, j'arrive. Ah, il est plus rapide que moi. Putain, wesh. Ah. Ouais, j'aimerais bien voir sa vitesse de pointe là. 328 km. Wesh, il arrive bien à freiner, hein. Attends, le dernier virage, il le prend comment? Ouais.
Ah, il arrive bien à prendre, lui, il arrive bien à le prendre des virages, hein. Putain. Ouais, premier. Ah, le bâtard, bien joué. J'ai vu comment il prend des virages, mais je sais pas comment il fait, je saurais pas le prendre. Sinon, soit je prends trop large, soit. Ouais, je t'ingrais. Bien joué. Hein. Tac. Tac. Je vais repartir pour un tour et on verra. Réglage terminé, que les mécaniciens s'écartent, on est prêt à partir. Tac. Merde. Let it go, let it go. Na 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 na. Wesh! C'est qui c'est Bruno? Ah non, c'est Prime. Bruno n'a pas encore fait de tour. Ah bah oui, mais. Ah ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, Nan. Il est pas ban ni rien. Ah désolé, je suis là, gros. Ouais, t'inquiète. Après. C'est comme je disais à Bruno, c'est l'anniversaire de ma belle-mère. J'avais des invités. Ah oui, putain, c'est bon. Du coup, ça dérange pas? Tu peux le faire quand même? Mais moyennement. Enfin, c'est pas que ça dérange, quoi, tu vois, mais c'est juste que ça c'est pas trop, en fait. Ah ouais. Tu vois? Et là, ils étaient occupés juste à donner le gâteau. Heureusement, j'étais en train de rentrer, du coup. Ouais. En vrai, t'aurais peut-être pas. Ouais, mais. Ouais, c'est moi, je lui ai dit si t'as personne, vraiment, t'inquiète, je me démerderai. Ok, bah sympa de ta part en tout cas. Mais déjà, c'est cool pour toi, pour pas que tu sois tout seul. Et pour Aston Martin, après ce que j'ai fait vendredi, je vais me racheter. Ouais, ok. Bah, nice, hein. Nice. Par contre, du coup, j'aurais pas le temps de faire un autre tour, je pense. Les virages, là. Je pense qu'il est bien prêt, Frame. Hein. Faut peut-être qu'il ralentisse un peu. Hein. Allez, ouf. Ah, ta race la. Est-ce que je revends ou pas? J'ai cette carbure. Ah, c'est que j'ai une usée quoi. Une 34,9.
Et je vais de mon dernier virage. Putain. Alors moi j'arrive dans ma dans mon dernier tour là, dans mon... les deux derniers virages. On va voir ce que ça donne. Dis-toi que hier, vendredi, j'ai fait une 35-60. Putain. Oh, par contre, après ça. Allez, let's go! J'ai ma biche. Bon, à mon avis, Bruno va me passer devant, mais. Ok. De toute façon, Bruno. Ouais, voilà. Et 32-3, il me met 6 dixièmes. C'est ciao! Par contre, moi, ici, maintenant, je vais rentrer au stand, gros. Je vais vite manger de la glace avec eux. Ouais, vas-y, ouais. Hein. Moi, je pense que t'as le temps entre la pause et tout. Je pense que t'as le temps. Ouais, c'est ça. Ce que je me dis. Ouais, putain, Bruno, frère, il est rapide. Putain, je peux jamais le battre, hein, c'est pas possible. Frère, je me suis battu une 32-9 et putain, je peux pas faire mieux et. C'est possible. Il est trop rapide, ce mec. Putain. Mmh. Maintenant, Giggs, à voir. Je pense Giggs va peut-être améliorer. Ouais, je sais pas, je pense. Le stand, c'est quoi? C'est 60 ici? 80. Ouais. Du coup j'arrive hein, ça va? Vas-y. Bien joué pour en tout cas ton chrono il est propre. Merci. Killer, améliore pas, s'il te plaît, n'améliore pas. Une P2. Est-ce que ouais, je crois que c'est une P2 hein. Je vois pas qui peut aller chercher d'autres places hein. Putain, let's go. C'est une P2, mamma mia. Hein. Je bats Geeks à la régulière. Je mets Snix, mais Snix c'est peut-être loupé en vrai. C'est peut-être loupé là le poteau. Moi qui est dans son tour mais ça me paraît compliqué quoi un petit peu hein. Troisième. Ah, Giggs, non. Ah, il était pas en tour. Il était en tour. Putain, merde. P3. P3 au mieux. 5 dixièmes. Didax, est-ce qu'il améliore? Bonne question, je ne sais pas. Ah oui, il améliore. Non, Didax. Didax, non. Non, Didax. Didax. Il améliore, mais pas assez. Ok, that's a P3. P3. Et wesh, il s'est passé quoi Snix. Peut-être des petits problèmes aujourd'hui. Hein. Intéressant. Très très intéressant. Bon, Giggs m'a mis une petite pilule, 3 dixièmes. Bon, il m'a mis 5 dixièmes, normal. Mais ok. À surveiller Didax qui a l'air plutôt bon. À surveiller le petit Didax. Dark Waco. Passer de la ligne. Je peux pas faire mieux. Hein. Je peux pas faire mieux là. Dommage. P3, c'est à peu près ce que je peux faire. Même si Giggs, j'aurais pu le battre en vrai. J'aurais pu le battre. Maintenant, bon. A voir. Par contre, c'est intéressant que Snix soit loupé parce que du coup, on peut se rapprocher en championnat. Si on fait une bonne course et pas lui.
On peut, moi, Geeks et tout, on peut être très très proche en termes du classement. Vraiment à suivre. Affaire à suivre, hein, mon gamin. Tac. Oh baby, just I'm gone down tonight. Alors, tac, ça je sais ce que je veux faire. Par contre, héros. Attends, quoi? Pression, tac. Toute. Modifier stratégie. Putain, je perds pas. Ah, 16, 12. 15, 13, ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Tac. Tac. Directeur de course. Ça peut encore changer, mais... Hard. Non. Je suis là, gros. Wesh. Il La sioche est nulle part. a mangé la glace en 2-2. Impeccable. Je suis déjà fait la strap au cas où. Voilà, Tu pars strap. encore à hard? Ouais, je vais faire hard medium. Avec j'embarque Ouais. 28,3 de carburant et je vais faire 15 tours en hard, je pense. Ok, moi 27,7 de carburant et je vais faire aussi 15 tours en hard, à mon avis. Ok. Là, il n'y aura pas de problème entre toi et moi, puisque vu la distance que tu vas me mettre. Bon, après les mecs, Sauf on sait que. pas ce qui peut se passer en premier virage, hein, Aussi. donc bon. Directeur de course. Mon objectif principal, c'est de ramener déjà le point. Ouais. Bah, Et en de ne vrai, pas me prendre de tour. oh, tu peux le faire, je pense. Tu peux le faire tranquille. Le Même pas point, la oui. pression, ça rien. Voilà, c'est sûr.
Par contre, pour info, Bruno m'a bien fait comprendre que l'overcut il passait bien. Ah ouais, l'overcut. Ouais. Ok, intéressant. C'est-à-dire tu pites avant l'autre pilote, c'est ça. Non, c'est après, over, parce que c'est under. Under, Non, c'est alors avant. c'est l'undercut alors. Parce Ah, qu'il a dit que les médiums ils tiennent bien. Voilà ce under. qu'il m'a dit. Exemple, il m'a fait partir en hard pour terminer en médium et j'ai fait 14 tours en hard. Ok. Bon, on verra bien. Ça va lancer, hein. Yep. Même course à toi, Lou. Ouais, bah la même, hein. Tranquille, hein. Une Merci, petite merci. remontée, et puis on. Puis voilà, hein. Sans tu roules à ton rythme, et puis voilà, tranquille. C'est sûr. Allez, hop. Oui, un gros bordel là. Bruno et Geek sont aux deux de front. Nickel, j'ai failli la perdre. Oukawet, il a pris le dadou. Putain, ce dernier virage, c'est là où je perds le plus de temps, hein. C'est dingue, rien. Je suis trop lent. Putain, je suis entre mes deux pilotes. Ouais, je suis pas allé avec les hardins, ça c'est sûr pour le coup, ouais. Allez, commande. Je vais pas te mettre des dégâts sur lui au cas où. Non, non, je me bats, je suis pas là.
Ah non, moi je sors de l'arche. Ah, péché, je t'ai remonté P11. Allez, tranquille, tranquille, la course vient de commencer, tranquille. T'as plein d'occasions encore. Par contre, les mecs de devant, les deux devant sont pas rapides, hein, c'est dingue. Hein. Attention. Oh, le retour en piste. Avec la voiture qui nous précède est de 3,1 secondes.
quelques pilotes devant est de 3,7 secondes. Oh, je la perds. Oh non. Et je casse l'aileron. Bon bah tranquille, rentre au stand et tranquille. Ah. Je vais attendre 6 tours avant de pit. Je vais essayer de tenir avec les drones comme ça. Je perds quand même beaucoup de temps. Ta mère. Oh putain. J'ai fait la perdre. Oh non. Putain, Stormer. Ah ouais, Stormer va me baiser. Bah ouais, bah ouais. Il a le DRS ou pas, je sais pas moi. Il a pas le DRS. De la merde hein. Bah tu vois, je perds trop de temps en boxe sinon hein. Je vais encore tenir 2 tours au moins. Espérer une safety car. Ouais. Je rattrape déjà un retardataire. Wesh. L'écart avec la voiture qui te précède est de ah, c'est le volant. 0,3 secondes.
Oh, je perds vraiment tout, je suis deg. Non, je pitch, tant pis. Vas-y, vas-y. Oh, Snix abandon. Ouais. Ouais, je dinguerai. Ça fait plaisir au championnat, ça. Une abandonnée dans les stands. Oh. Ah, ça pour le championnat, j'aime bien ça. Ok, Geekzobox. Il va peut-être tenter une undercut du coup. Prendre niveau essence, je suis pas très très bien. Thank you.
de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Et je la perds à nouveau. Ah, il est chiant ce virage. Hein. Mmh. Je l'ai perdu deux fois là. Ah. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 10,4 secondes. Bien joué, Lou. Je ne m'attendais pas à faire le meilleur tour, mais pourquoi pas. Je suis plus rapide que les deux pilotes devant moi, c'est ça qui me fait chier quoi. T'as cassé? Mais là tantôt. Mais t'as réparé? Ah oui, oui, oui. Mais je spin encore une fois après. Ah merde. Et Bruno à box au cas où. Ouais, je vois ça. Mon problème, c'est l'essence actuellement. J'aimerais bien qu'il y ait une safety car pour que je puisse me rapprocher à la fois que j'économise parce que je suis dans le rouge. Ah oui, si ça bouffe, gros, je te l'ai pas dit. Ouais, du coup, non. Pourtant, je m'attendais à ce que ce soit le contraire parce que il y a quand même pas mal de virages où je suis. Non, elle bouffe l'essence ici. Moi je suis parti en négatif, mais j'ai mis pas beaucoup en négatif. Et t'es en positif là? Ouais. Putain, je sais pas comment tu fais. Hein. Ah, c'est que t'es en train de te battre et pas moi. Moi je suis tout seul là depuis le début de la course.
Je crois que je vais devoir sacrifier un podium pour avoir de l'essence. Où Didier? J'ai remarqué un truc, j'ai quand même plus de vitesse de pointe que le mec derrière moi. Donc en ligne droite, je le fume, mais. Je suis vraiment en train de lift and coast, hein. Putain. En train de revenir sur le 14, 13, 12, 11. Vas-y mec. You can do it. L'écart avec le pilote de devant est de 11,5 secondes. Je vois qu'une petite safety car serait cool. Ouais, moi ça permettra de m'approcher de Bruno et tout ça et de voir un peu plus de carburant, je t'avoue.
Ah bah, oh, il a fait la perdre. J'espère que j'ai pas niqué des ados. J'ai eu un petit contact avec. Ouais, il a pit. Ah, je vais casser les drones. Non. J'espère que je vais rien. Je sais pas. On creuse l'écart d'environ une seconde par tour avec la voiture de derrière. Je prenne plutôt en plus pour lui laisser de la place sur le truc, mais le problème c'est que je ressors assez loin. Ça va, j'avais essayé d'économiser un petit peu d'essence. Sur la voiture de devant est de 10,2 secondes. Je la repère, c'est tout juste. C'est bon, j'ai donné le DRS à Bruno, je m'écarte. Ok. Pas de soucis à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Je
chaque fois je manque de la paire dans l'escargot, putain. Avec la voiture qui te précède est de 11,1 secondes. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Sur la voiture de derrière. En vrai, c'est con, mais deux spins plus ma case aileron. Parce que je pense que j'avais un rythme pour jouer le P12, P13. Ah, t'es combien là? 15. Ah, dommage. Petite régularité qui te manque, quoi. Bon, après, j'avoue que le virage où tu spins, c'est vraiment de la merde hein, pour le coup. Mais... Un des plus compliqués, hein. Ça prouve quand même que t'as un bon rythme. Hein. S'entraîne surtout, on assiste. Ouais, voilà. Moi qui joue tout le temps avec la trage de base. Au final, je me prends quand même un tour par Bruno. L'objectif, c'est au moins de finir la course. Attends, Bruno et Giggs ont été intouchables encore, hein. Ça, y a pas de. Y a pas de débat hein. Encore trop rapide. Enfin, même si Giggs, en vrai, je l'ai battu à la. À Armega, à la Portimao, à la Chine, je peux rien faire. Oh, les Giggs, putain, tellement gros. J'ai pas voulu lui donner le DRS en plus, le pauvre. Retour à la normale. J'ai perdu une seconde quand même avec tout ça. Bon, j'ai le Sam d'Arcalma, du coup il est pas venu, c'est dommage. Oui, j'avoue. J'ai une touchette, gros, qu'est-ce que je fais? J'attends Dadou ou quoi? Parce que j'ai une touchette avec lui, il a du pit juste à ce moment-là après. Il est loin ou pas? 17 secondes.
Y'a quelqu'un d'autre derrière toi à part lui? Non. Bah. Toi? Bah, en vrai, c'est comme tu veux. Si t'es fair play, bah tu l'attends. Soit. En vrai, je sais pas. Bah, j'ai surtout pas envie de. En si je vais niquer, tu vois. Ouais, vas-y, bon, on va te remplacer. Vas-y, fais ça, je pense. Pour le beau geste. Si tu perds qu'une place, bon. Ouais, c'est ce que je préfère, parce que même si je sais pas si je vais niquer ou pas, tu vois, mais... Par contre, fais gaffe, parce que si tu passes la ligne, après, t'as fini les grands prix, hein. C'est que t'as un tour de retard. Hein. Mm-hmm. Je vais ralentir, comme ça, je laisse mon pilote à moi dit card. Je lui mets pas de la pression pour pas qu'il fasse de la faute, il finit le GP. Je vais te donner le DRS. Je sais pas si tu l'as eu. Non, je suis trop loin. Merde. C'est pas grave. Nut, nut. Oh, tu m'as fait peur, gros putain. Nut, nut. Bon bah P3-1, je peux pas faire mieux. Trop rapide devant. Ouh, ça par contre c'est bien que Snix il a abandonné là, ça me... Ah ouais putain, sur la ligne tu vas l'attendre. Sur la ligne. GG mec. Ouais GG à toi, désolé, j'ai rien su faire. Ouais t'inquiète, c'est pas ta catégorie de base. Ouais, je sais mais bon. En vrai t'as vu que tu avais le rythme. Même si ton résultat est pas forcément bon, t'as vu que t'avais le rythme, donc en fait bah tu pouvais jouer bah mieux quoi. Mais dis-toi, j'étais dans les alentours de Alexandre gros. Avant mon spin. Alexandre. Ah oui putain quand même. Ouais. Ah, je pouvais peut-être. J'arrive. Mais je t'explique. C'est pour ça, j'arrive, c'est le plus simple. Là c'est ça que je dis, je t'ai dit au moment où j'ai le gros crash, il y avait Alexandre, Kawet et Shadow. Mais je pense qu'entre Kawet et Shadow, il y a eu un truc parce que d'un coup, je suis passé à 4 secondes 2. Ah oui. Ils étaient à 14 secondes de moi et d'un coup, je me suis retrouvé à 4 secondes. Tu vois, je pense qu'ils ont eu un petit truc entre eux. En vrai, t'as peut-être touché un truc. Oh, ouais, après, il y avait peut-être 2-3 autres pilotes qui étaient pas là, mais je pense, tu vois, c'est pour ça que je voudrais faire l'année prochaine en FFT1 parce que je voudrais m'habituer au No Assist vraiment et pouvoir progresser parce que là, avec la trage, je stagne. Mais quand je dis je stagne, j'arrive plus à progresser et ça m'énerve. Ouais, c'est ça, c'est au bout d'un moment, t'as atteint ton potentiel, ton maximum de potentiel et il faut que tu. Ouais, je vois, ça me l'a déjà fait ça. Parce que là, j'ai l'impression de surpiloter, mais du coup, je fais trop d'erreurs. Je fais trop d'erreurs, tu vois. Exemple, là, tantôt en Autriche avec Noseki, je m'entraîne avec lui. Mmh. Gros, le premier virage, j'ai déjà du mal à le passer. Secteur 2, il me bouffe. Mais quand j'ai dit il me bouffe, tu perds au moins quasi une seconde là dans le secteur 2 avec lui. C'est un truc de fou. Ah, c'est pour ça la trage. Dès que tu l'enlèves après, sauf si tu vas. Enfin, ça a du mal après à t'habituer. Mais en vrai, la trage, dès que tu l'enlèves, t'as tellement d'autres possibilités. Parce que des fois, le jeu, la trage qu'il te propose, des fois, c'est pas forcément la meilleure. Ouais, c'est ça. Du coup, bon, c'est. Après, faut s'habituer, tu vois. Moi, j'ai mis du temps à m'habituer. Et bon, maintenant, bah voilà, je fais des podiums en FFT1, tu vois. Mais après voilà, ça vient avec le temps, faut l'expérience, faut rouler. Après je sais pas si t'as non plus trop le temps de rouler ou pas, mais voilà. Bah c'est m'entraîner en fait, le truc c'est que des fois je peux pas toujours m'entraîner comme à volonté comme je veux parce que j'ai la petite à surveiller et tout et mon temps libre en fait j'essaie de le consacrer aussi avec elle et dès que je sais un peu je fais ça quoi. Ouais bien sûr. Mais ouais. Non bah écoute bien joué hein, quand même. Toi aussi. Bien joué et puis bah écoute rendez-vous quand? Bah la semaine prochaine mercredi. Jeudi ah oui pour la SDC ouais. Pas faux. Mm-hmm. Vas-y hein bah jeudi mec hein. Ça marche merci. Ciao ciao. Bah voilà, petit podium encore, mais impossible d'aller les chercher, ils sont trop rapides ces mecs.
Giggs, à partir du moment où je pouvais le faire, je l'ai fait. La Chine, non. Chine, non. Ils sont trop loin. Barcelone, ouais. 22h23, j'espère que les interviews vont pas durer trop de temps. Non, non, non. Est-ce que je peux rejoindre déjà le salon? Ouais, je peux rejoindre en muet. Ah, ça marche en muet alors. Oui, c'est As. Ouais, je pense que c'est As, hein. Ah, il est titré. Attends. Standing. Est-ce que. Ouais, puis je 310. Waouh, il est titré. Bruno est titré. C'est même sûr en vrai. As font le doublé. Et As. Ouais. Titre, titre Attends. Pilote et Merde. constructeur. Oh, il est titré. Constructeur aussi hein. On est là, Barreau. C'est mon petit loup, ça. Oui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, bon, ben, on va dire, on va quasi presque officialiser. Bruno, ben, bravo à toi pour cette victoire. Et ainsi, si les calculs sont bien bons, tu es titré. Merci. Tu es titré là au soir. Logiquement, après, on confirmera bien sûr la semaine prochaine hein, quand le classement sera fait. Mais là, si les calculs sont bien bons, voilà. Ça va faire. Et ainsi, le titre constructeur aussi. Donc, doublé pour As. Mais bravo. Comment. T'as vécu un peu là cette petite course? Bah, cette course a été, ça s'est très bien passé là, je me sentais bien. Ça j'apprécie. Bah, la Cali, je fais une seule tentative parce que j'avais pris le mélange dur. Je me suis dit, on va quand même garder un train de soft au cas où, mais il n'a pas servi. Parce que la pole avec un seul tour du coup, en 32-3. Après le départ, il est plutôt bon. C'est serré lors des 3 points de virage avec 10. D'ailleurs, je vois la flèche rouge à mon otage. J'ai ouvert un peu ma tranche des temps pour lui laisser la place. Puis après, ouais, bah, premier relais, ça a été. Il est resté longtemps dans ma seconde, je trouvais pas la solution pour le distancer. Et c'est à partir de la fin du relais que j'ai commencé à prendre un peu d'avance. Il s'est arrêté très tôt, 12 pour tenter l'undercut. Je trouvais ça un peu tôt. Moi, j'ai décidé de continuer parce que vous voyez qu'il allait tomber sur du trafic à un moment. Donc j'ai décidé d'allonger mon relais, de s'arrêter autour 17, en mode de m'arrêter autour 14-15. C'est ça le plan, et au final j'ai poussé jusqu'au 17 pour mettre les médiums, mais quand sorti derrière c'était logique. Mais il y avait des pneus qui avaient fin de tour de moins, et je savais que ça allait peser sur la fin de course, et j'ai eu une possibilité de l'attaquer, bah je l'ai passé, je pouvais pas être plus proche à la sortie de longue droite. Et puis il y avait une très bonne VMAT, c'est ça qui m'a aussi bien aidé, et puis est sorti direct de la seconde, et après les derniers tours, bah, j'ai déroulé. Hein. Parce que je vais pas te mentir, j'étais sur vous à ce moment-là.
J'étais en train de regarder les écarts qu'il y avait des autres pilotes pour voir, pour rebondir juste au cas où. Et en fait, en regardant ça, tu l'as doublé, je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu. Alors, c'est sûr qu'il va falloir que j'aille voir l'oculiste parce que là, c'est pas normal. J'étais surpris, c'est toi qui le dis. Mais... Ah, et Bruno qui est passé? Ah, ben oui, effectivement. Oui, d'accord, ok. Ouais, je suis sur l'île, je le vois pas. Bon, c'est bizarre. Par où faut vite. passer? Faudrait aller chez l'oculiste. Ouais, c'était. Vas-y, vas-y, vas-y. Pour en revenir, ouais, le dernier relais en médium, il était vraiment top de chez top. J'avais un rythme très très bon, régulier. Meilleur feeling que sur les hards, donc comme souvent, je sais pas pourquoi j'ai plus de feeling sur les médiums, mais ouais, c'est top, vraiment belle victoire, et puis bah, victoire qui m'offre ce titre. Voilà, donc assez fier de cette saison, puis on gagne également constructeur, donc le contrat est rempli. Je remercie mon directeur, le gros Karl, de m'avoir fait confiance, donc voilà, je suis fier ce soir. Ah bah là, même si t'aurais pas été titré, honnêtement, si on peut pas te faire confiance, c'est que le directeur te connaît pas. Ça peut être que ça. Là, tout le monde te connaît, on sait comment tu pilotes. Là, cette saison, ce qui a fait plaisir, c'est que t'as eu de la concurrence. Ouais, moi, là, franchement, j'ai eu une belle bataille, hein. Ça fait plaisir avec Sinitz, avec Giggs. J'en ai eu un peu avec Lou un petit peu, mais ouais, c'est franchement c'est bien, hein. Ça se resserre un peu, donc ça me fait plaisir à voir. On verra sur le 23 maintenant, le 23 je pense que ça va être de nouveau un départ à zéro parce que les équipes vont encore évoluer. C'est mais, ouais. Oui, et puis apparemment de ce que j'ai entendu parler, moi j'ai pas regardé, j'ai pas suivi. J'ai pas testé les bêtas parce qu'à chaque fois qu'on teste des bêtas, ben, on sait très bien que quand le jeu va sortir, c'est complètement différent. J'ai entendu qu'il va y avoir d'améliorations sur certaines choses, d'autres trucs un peu moins bien. Après, ça sera à voir. Et puis, ça sera de toute façon au feeling des pilotes et des joueurs. Quoi. C'est soit on va bien sentir, soit on va pas. Ça va pas le faire. Ouais. Et pour finir, ouais, quoi. Je reviens pas de ma performance parce que je me rends compte, mais c'est mon quatrième titre d'affilée. Et ouais, c'est énorme. Hein. Je réalise pas trop pour le moment, mais je pense que je vais réaliser la prochaine course. Ouais, mais on va trouver des adversaires aussi à ta taille, voir si on peut trouver même plus fort pour toi te performer encore plus aussi par la suite. Bah c'est ça, ouais. Il y a d'autres ligues dans lesquelles je roule aussi où il y a un très gros niveau et c'est ça qui me permet de donner le meilleur de moi-même en fait. C'est comme ça que j'arrive encore à trouver les thèmes qui manquent et voilà, ouais, c'est. J'ai toujours envie de donner le meilleur de soi-même. Non mais en tout cas, bravo à toi. Encore félicitations. Merci. Et bravo à Guizan. Franchement, c'était quand même une belle adversité, même s'il n'a pas eu la réussite qu'il aurait dû avoir. Voilà, j'espère qu'il aura une victoire cette saison. C'est tout ce que je lui souhaite, qu'il gagne enfin, parce que le pauvre, il n'a pas eu encore le bonheur de goûter aux autres de la victoire. Voilà, donc j'espère que ça arrivera pour lui. Merci. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Salut Giggs. Hein? Bah, ça va, tranquille. Et toi? Bien? Pas trop fatigué? Ouais, si. Week-end de taf comme d'hab et petite course à la fin, c'est cool. Hein? Ah, c'est cool, ouais. Bah, raconte-nous un peu comment t'as ressenti un peu cette course-là. Ouais, un peu plus proche de. Comme effectivement il a dit Bruno. T'étais assez proche de lui. Est-ce que tu sentais que tu allais peut-être pouvoir aller le chercher et peut-être gagner, remporter cette course? Ouais, sur le papier, peut-être pour vous, j'étais super proche, mais en fait, je sais pas si c'était un souci, mais DRS et ERS ouverts à vitesse max,
je reprenais pas de temps dans les lignes droites, donc je me suis dit, bah ok, peut-être qu'il a un setup avec 10 aéros de moins que moi, ou alors c'est un bug d'aspi, j'en sais rien, et je me suis dit, bah ok, bah en fait c'est terminé, je pourrais pas le dépasser, et bug s'il y a, si je le dépasse avec un undercut ou quoi que ce soit, impossible de récupérer la place si on se bataille, donc voilà, je savais que c'était fini dès le tour 3 où je suis dans le DRS à 7 dixièmes, 6 dixièmes et que je mets pleine balle de RS, la batterie à fond, bah je revenais pas, je me suis dit ok, bah je pourrais pas le dépasser de toute façon, donc ça sert à rien. Ouais, c'est vrai qu'on voyait sur l'affichage que tu restais, t'étais entre 7 et 9 dixièmes à chaque fois, et ça... Remonter, hein. Tu perdais pas de temps, mais tu en gagnais pas non plus. Ouais. C'est vrai qu'il y a dû avoir un petit truc quelque part, parce que ça durait énormément de... jusqu'à temps que tu piques quasi, hein. C'est pour ça que j'ai piqué trop tôt, j'ai piqué tôt parce que je me suis dit, bon, autant tenter un truc, hein, on sait jamais. Après je me suis pris du trafic, mais j'ai pas perdu tellement de temps, ça aurait rien changé. Puis après quand il m'a dépassé, je me suis dit, vas-y, peut-être que c'est peut-être pas un bug. Et là il me dépasse, je suis à les 4/10 et demi juste derrière lui. Et il me prend du temps alors que je mets VRS plus DRS, donc je me suis dit, bon, ça doit être un bug, et puis c'est comme ça, c'est pas grave. Je me suis même dit, vas-y, s'il stream, je vais regarder peut-être s'il mettait l'URS, mais je mettais tellement tout le temps l'URS pour voir si c'était un bug justement dans les premiers tours, je me suis dit, bah attends, si je mets autant l'URS, lui aussi, à un moment donné, il aura plus de RS, et bon, après, je me suis dit, bon, j'étais en 20-17 d'aéro, je pense qu'il devait être plus ou moins dans ça, donc je pense que c'était un bug. Oui, je pense aussi, honnêtement, après c'est vrai que franchement c'est ça fout les boules, ça met un peu les nerfs d'un côté quand même, quoi, d'avoir des petits bugs là comme ça qui auraient peut-être permis de plus belles batailles, quoi, de pouvoir le rapprocher. Ouais, on était tellement au-dessus des autres que d'ailleurs, enfin ouais, ça m'a étonné parce que bah des fois les autres derrière ils sont là. Après la Chine, on l'aime ou on l'aime pas, mais ouais, c'est dommage parce que ok, j'étais proche, mais jamais j'aurais pu dépasser en fait avec le DRS. Donc en fait, moi je me suis ennuyé encore une fois. Désolé. Ouais, vous ne pouvez rien, c'est le jeu. Non, mais en tout cas, encore bravo à toi, puis merci de pas lâcher, de continuer comme ça. C'est... Ouais, après, c'est sûrement ma dernière course parce que je pense qu'il en reste deux, il me semble, et je pourrais pas les faire. Donc, trois. Ah, bah peut-être une dernière, je sais pas. Trois, il nous reste pour te dire la semaine prochaine Silverstone, okay. Brésil avec la sprint, donc un jour, et dans trois semaines 100% à Spa. Ok, ouais, il y a peut-être moyen de faire une ou deux courses encore à voir. Et puis après, ben là, ça sera un peu les vacances, le nouvel opus, ouais. qui va sortir, mais qui va sortir juste même quelques jours un peu avant la dernière course, si je dis pas de bêtises, le 16, je crois qu'il sort le jeu. Moi, j'aurai le 13, ouais. Donc voilà, il sort le 16 et le dernier GP, c'est vous qui sera le 18. Ok. Ouais, le 16, il sort pour tout le monde. Ouais. Ouais. Ok. Donc voilà, bah merci à toi, puis encore bravo. Oui, top. Ils seront les seuls. Tiens, ils sont... Vous courez pas, les gars, quand vous allez. Le dimanche. Sérieux. Moi, quand Top il parle, ça saccade. C'est bizarre, ouais, ça coupe, mais bon, ça doit être le fait qu'on est plusieurs, et comme il est sur la PS5 sur Discord, ouais, je pense que... ça doit être ça. Mais bon, quand tu l'écoutes sur le live, tu l'entends super, super bien. Okay. Donc, c'est un petit défaut de connexion qui apparaît par le moment. Sinon, bah, merci à toi, encore bravo, Pierre. Merci, et bien joué à Bruno pour le titre. C'était assez simple, je pense, pour lui, malgré les petites batailles. Simple, non, comme j'ai dit, là, il a eu un peu de la concurrence. Simple, c'était les 2-3 saisons d'avant. C'était vraiment simple. Ouais, mais en vrai, si on est honnête entre nous, c'est des petites batailles ponctuelles. Je veux dire, à aucun moment donné, il a été menacé pour quoi que ce soit. Enfin, c'est... Et moi je savais qu'il était champion dès la deuxième course. Ouais, mais bon, après, c'est vrai qu'après on peut se dire ça, mais
tout peut arriver, hein, il suffit qu'on se bouge. Les courses et tout, bien sûr. Moi, je me suis dit, à partir du moment où il y a une safety car qui est tellement désavantage, je me suis dit, bon, ok, vas-y, je sais très bien qu'il ne va pas laisser 30 000 victoires. Si j'en ai pas une et que j'ai de la malchance, je me suis dit, ok, bah, ça va être compliqué. Et voilà, il est plus fort sur le jeu et tout. Et puis, c'était comme ça. Hein, et... C'est à nous de nous entraîner, de trouver du temps pour s'entraîner. Je sais que l'année prochaine, moi, j'ai fini mes études, donc je vais pouvoir récupérer du niveau, et puis voilà. Ah, intéressant ça, à savoir. Ouais, j'aurais plus de temps. Pour les directeurs, tu seras encore parmi nous la saison prochaine. Je sais pas ce que donnera ma life à ce moment-là, mais je continuerai compète. Après, il faut voir si je suis dispo... sur les horaires, parce que de base je devrais travailler, mais voilà, comme mon travail un petit peu il mêle tout ce que je fais avec YouTube, Twitch, donc je peux me permettre des petites libertés, mais faut voir. Bah, de toute façon le format nous et le journée, la journée ne devrait pas changer, devrait toujours rester comme ça, donc après moi, de toute façon on verra, voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs comme on dit. Et on verra ça par la suite. Bon, on va passer avec notre petit loup. Oui. Qui est habituel, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui était un peu tranquille, qui a eu peut-être une petite frayeur sur la fin, quand il ressemble à commencer à bien rattraper. Ouais. Et puis après, à la relance, une petite... petite chassée du cul, et ça t'a permis de reprendre l'avance, et puis après, voilà, continue ton petit ton bonhomme de chemin. Bah ouais, le truc c'est que j'étais en soi, enfin, je pense que j'étais plus rapide que lui. Déjà en ligne droite, je le fumais, j'avais un setup peut-être avec du coup moins d'aéro que lui, mais en ligne droite, je le fumais sans ERS ni rien, donc bon, sur ça j'étais un peu tranquille. Mais ouais, un petit peu compliqué là, surtout après les pits en fait, j'ai. Genre mon carburant, je suis à la limite. Donc j'ai quand même fait pas mal de lift and coast dans pas mal de virages. Donc je préférais perdre un petit peu de temps et assurer avec l'essence. Donc il me rattrapait. Et du coup encore heureusement, même s'il avait le DRS, bah je résistais dans la ligne droite. Du coup bah c'était un petit plus. Et ouais, et il a fait une petite erreur. Et je pense qu'il a pas voulu trop pousser non plus, je pense, après, parce que j'avoue que moi non plus j'ai pas tant poussé que ça et il m'a pas rattrapé, donc je pense qu'il a voulu vraiment prendre aucun risque, parce que j'avoue que même moi j'ai fait quoi 2-3 erreurs quand même sur certaines réaccélérations, donc voilà, donc franchement non, j'ai su quand même bien gérer, j'avoue j'ai quand même bien eu peur quand même pour cette essence, mais bon, on va dire que comme d'habitude je suis un peu tout seul, les deux devant, enfin les 2-3 devant s'envole et j'arrive à battre à peu près avec Killer Storm ou alors Snix quand il est là, et encore voilà, mais sinon à chaque fois c'est un no man's land, donc bon, va falloir que je trouve le petit plus sur le nouvel opus et peut-être même pour la fin de saison encore parce qu'il reste pas grand prix, mais voilà, faut que j'essaie de trouver le petit plus, mais voilà, en tout cas encore ravi pour ce petit podium une nouvelle fois, sachant qu'en plus Snix abandonne. Donc ce qui fait que on se rapproche, on est vraiment très très proche. Donc la P2. C'est, oui, hein, c'est parce qu'en regardant le classement, le classement là, sans compter, comment dire, la course de ce soir. Attendez que je ne dis pas de. J'y arrive dessus, tac. Ou bien je l'avais là, oui, mais bien sûr. Mais voilà, sans compter la course de ce soir, Bruno était à 248 points. Dix deuxième à 150 points. Il était Snix était juste derrière à 149 points. Mmh. Donc là il a perdu pas mal de points parce qu'il a DNF. Il a abandonné dans les cendres. Donc il marque pas de points. Toi qui étais quatrième à 3 points, t'étais à 146 points. Donc voilà, ouais, tu rentres sur le podium là. Ouais, donc puis c'est pour ça, puis bon, vu que enfin si Geeks du coup n'est pas là pendant deux courses, du coup je peux jouer du coup la P2, sauf si bon je fais n'importe quoi et Snix me rattrape, mais voilà, on va dire que la P2 là c'est l'objectif du coup, mais voilà. Non, en tout cas c'est encore une belle saison
une belle saison encore pour toi. Hein. T'es là, t'es présent, t'es dans les brins. Bon, après, comme tu dis, voilà, bah, c'est vrai que tu as un peu la course tout seul, mais. Ouais, voilà, t'es dans les brins, quoi. Mmh. Tu lâches pas, tu continues et. C'est tout en ton honneur, pardon. Ah, merci. Franchement, et puis ce soir, il y a eu de belles bagarres qui a eu surtout, qui ça a duré pas mal de temps. Ça a été entre Kawet et FFT Shadow qui nous ont montré de belles batailles ce soir. Mmh. Et un gros fair play de Shadow qui a eu un contact malheureusement avec Kawet et qui l'a attendu et tout et relaissé repasser. Franchement, pour son fair play, encore un bravo à lui. C'est ouais. C'est ça qu'on aime voir quand il y a une faute qu'on reconnaît, même si on perd des places, c'est tout. C'est comme ça, on respecte le pilote et ainsi c'est et tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ça, on va se retrouver la semaine prochaine. Sur un circuit mythique, voilà, je vais pas refaire des éloges et des trucs aussi ainsi parce que top, on a déjà fait un peu mercredi et je vais pas en dire parce que seulement ça va être pire. Je vais pas réussir à me retenir. C'est un circuit particulier, voilà, pour certains qui m'ont connu et tout, voilà, c'était le circuit préféré de notre ami Asté. Voilà, on se retrouve là-bas. Ça sera mercredi avec la FFT3. La 2 vendredi avec Top. Et puis la 1 avec moi, bien sûr. Et puis sur ça, on va finir par la dernière phrase de la fin. Je sais pas, voilà. Geeks. HP. Bruno, je sais ce qu'il va dire. Champion. Voilà. Je m'en doutais. Merci Top pour m'avoir accompagné de nouveau ce soir. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour la 13e journée de championnat. Et puis je vais dire félicitations à As pour le titre pilote et constructeur en FFT1. Voilà, je vous félicite. Merci. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao. Salut. Hop. Ouais, tu vas déco. Ouais, je vais pas tarder là. C'était les interviews donc voilà. Mais j'ai vu la course de Totsu. J'ai le seum en soi. Parce qu'il était, il est régulier cette saison et tout. Il fait quoi, des P11, P11, P10, P10, P11. Et là, il aurait pu marquer quoi. Il aurait pu être P9, je crois. Ouais, être P9. Et là, j'ai le seum, quoi. J'ai le seum. Parce que j'aime bien tout de suite, ouais, je l'aime bien. Il s'est calmé et tout comparé à sa première saison. C'est cool. Mais ouais. J'avoue que Monaco, un peu rompiche quand même, hein. À part ça, sinon Monaco un peu rompiche comme d'hab. Mais bon, on va dire que la bonne nouvelle, c'est quand même Alonso sur le podium, ce qui est assez cool. Ocon sur le podium aussi, ça c'est cool. Ocon, ça mon gars, ça fait plaisir. Ouais, ça se fout, forcément, je pense, ça fout un peu de, ça se fout un peu de la, du français dans le pit wall, tout ça. Ça doit être bien marrant, je pense. Comme ça, dans l'équipe, ça va être bien un sou de ta gueule. Oh merde. Mais ouais, non, Monaco, à part ça, sinon c'est rompiche. Mais en vrai, il y a eu 2-3 trucs quand même. Intéressant. Mais bon. On va dire qu'on va attendre Espagne. Espagne, ça va être un petit peu mieux.
je pense. Et Inch'Allah, Tsunoda il fait une bonne perf, hein, parce que ouais, vraiment, Tsunoda, moi je l'aime bien. Hein. Pour le coup, c'est un pilote que j'aime bien. Et vu qu'il est très régulier cette saison, il fait quoi? P11, P11, P10, P11, un truc comme ça. Là, bon, malheureusement, à cause d'une erreur, ça le défonce. Mais sinon, globalement, il est régulier. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il fasse pas une bonne saison. Et j'ai envie de te dire, moi, je verrais bien, j'aurais envie de voir Tsunoda plus haut, quoi. Genre du style Red Bull, quoi. Ah, j'imagine. Si tu travailles bien l'accent et tout, que t'as l'habitude de parler anglais, c'est sûr que tu le travailles. J'avoue que moi je parle plutôt, enfin, je parle, on va dire, bien anglais, mais j'ai quand même encore cet accent bien français, quoi. Le problème, c'est que quand je tente de parler anglais, enfin, avec l'accent anglais, ça donne pas un truc trop ouf. Du coup, je préfère parler à peu près bien anglais, mais avec l'accent français, que parler nul à chier avec l'accent anglais, quoi. Donc bon, voilà. Hein. Je parle in English. Oh merde. Je communique en English. Oh merde. Aïe aïe. Bon. Si sur ce, bah du coup, merci d'être passé. Écoute, je vais cut là. Et voilà. Hein. Si tu veux, je vous ferai un petit stream. Je vous ferai un petit stream en anglais, un de ces quatre. Hein. On essaiera de parler le plus possible en anglais. Genre, je sais pas, sur un stream chill, le marché peut-être. Genre là en course, j'aime bien me concentrer, donc j'évite de faire n'importe quoi. Mais sur un stream chill, je sais pas, sur Warship, on fera un de ces quatre ou quoi que ce soit. Je vous ferai des paroles, je vous ferai du chat en English. Ça pourrait être sympa. Mais voilà, en tout cas, merci d'être passé. Prochain rendez-vous, prochain stream, c'est demain. Attends, demain? Oui, demain. Demain pour la VMV, championnat de la VMV. Après, il y aura mardi pour la LDL. Mercredi, il n'y aura rien, normalement, sauf si je décide de stream chill. Jeudi, il y aura la SDC, le dernier grand prix de la SDC en Autriche, je crois, Autriche. Et vendredi, LDX, normalement. Voilà, en tout cas, ce sera bien bien chargé, mais voilà. Merci d'être passé, du coup, ça fait plaisir, Julien. Et puis, bah, rendez-vous demain. Ciao, ciao. Et comme diraient les Allemands, Auf Wiedersehen, Jules, parce que je fais de l'allemand. Allez, ciao.